Salut les amis, c'est Vincent, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui. Et oui, j'avais dit pas de vidéo, mais je vais en faire une quand même, parce que j'ai retouché un peu le staff à Samy. Donc sur le 5.11, mais on va essayer de le tester différemment pour vraiment profiter et de voir vraiment la différence, un certain niveau de pourcentage de la réparation subie. Bon, j'ai quand même un doute, après je l'ai pas testé en gameplay, donc je pourrais pas vous dire, mais on va tester ça et puis on va voir ce que ça donne. Bon, du coup, les amis, progression aussi, parce qu'il faut absolument que je progresse dans ce domaine-là aussi. Je vais essayer de construire mes vidéos maintenant aux demandes de réponse aux gens. Donc, aux réponses aux gens, comme je vous fais là. Mais je vais essayer de. Voilà, parce que pour que vous sachiez une chose, c'est que je ne suis pas construit en mode de PC, tout ce que vous voulez. Donc, je suis obligé de faire tout en manuel. Et je vais essayer, en fait, de ne plus vous proposer une image fixe comme ça, mais mettre un gameplay derrière, avec une réponse au message, comme chaque personne font. Quand ils répondent, donc ils font des comptes rendus de mise à jour. Donc je vais essayer, donc il faudra me laisser un peu de temps si des fois il y a un peu de couac, c'est possible. Mais faire tout via la Play sans l'ordinateur, ça va être très compliqué. Donc il va y avoir du changement, les amis, et je vais essayer de faire en sorte de plus vous proposer une image fixe comme ça le temps que je vous réponds. C'est vrai que j'ai de plus en plus de monde et je passe beaucoup plus de temps à répondre aux gens en fait. Alors, Mamba lui dit, salut Vince, bulle intéressante, tu pourrais aussi prendre le mec animal en second pour la surcharge ou une autre arme avec futur parfait. Donc sur le stuff hybride. Hein. Bon après, j'ai bien vu ton message, Mamba, mais il faut que je passe, sinon ça va être trop long. Mais j'ai bien vu ton message, t'inquiète pas. Laurent qui nous dit, salut Vince, je pense pour la Backfire, merci pour tes vidéos. Alors sachez une chose, les amis, c'est que. J'ai oublié certains commentaires. Voilà, j'ai oublié certains commentaires, comme Laurent et tout, mais en fait. Ce n'est pas apparu dans mes mails ni sur les vidéos donc YouTube. En fait, il aurait fallu que je passe par YouTube Studio, ce qui fait que j'en ai oublié pas mal, soit bot ou non pas bot, si bot, je crois, Laurent. Attends, je vais regarder. Je sais plus. Je sais plus. Il me semble que j'ai dû en oublier un ou je sais plus. Je ne sais plus. Oui, si bot effroyable s'entend, je crois que je l'ai oublié. Donc du coup, je m'en excuse auprès de lui, à moins que je l'ai dit tout à l'heure, que je ne me rappelle plus. Mais Gerva qui nous dit aussi bien mérité mon Vince pour les 900 abonnés. Je suis très content, les amis. Merci à vous. On souhaite la bienvenue à Victor Valero qui s'est aussi abonné à la chaîne. Bienvenue à toi. À Mori33 aussi. Mori33 qui s'est abonné aussi à la chaîne. Bienvenue à vous, les amis. Alors, donc du coup, bah oui, au couteau qui nous disait la petite abeille, bah, du coup, il a gagné. On souhaite la bienvenue à Armand aussi, Roussafois qui s'est abonné à la chaîne. Pour le test Dirset et Gis, donc du coup Marco qui nous dit salut agent, je fais partie de la toute première vague bêta fermée de 2016 et depuis j'ai poncé le 1 puis le 2 dernièrement, je suis retourné pour le 1 pour finir quelques recommandations, j'ai donc rejoué à la survie. J'ai pris un pied terrible de game de 1 h 30 sous pression avec cette ambiance unique. Alors je me dis les développeurs, ils ont quoi dans la tête? Ils ont créé le meilleur mode sur PS4. Et ils ne réutilisent pas pour The Division 2, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Après, bon ben voilà, ça, j'ai pas de news sur ça. Jean-Christophe qui nous dit, salut, le buff de compétences est applicable aussi pour nous, ou uniquement aux alliés, donc par rapport au stuff Future Initiative, BTSU, Détermination Empathique. Et ben non, en fait, le talent de Détermination Empathique, Jean-Christophe, en fait, sur toi, je crois que c'est de 1 à 7%, et pour tes alliés, c'est à peu près jusqu'à 15%, je crois. Si ma mémoire est bonne, hein. On souhaite la bienvenue aussi à Louis Cos, qui s'est abonné aussi à la chaîne. Bienvenue, mon ami. Donc, Christophe qui nous dit sur le stuff hybride. Stuff incroyable, merci Vince. Ouais, c'est vrai que franchement, le hybride en Murakami était super. Franchement, pas mal. Sur le stuff chasseur après modification, ça va encore. Donc, David qui me dit, tu m'as redonné le sourire avec cette vidéo, mon Vincent. Mon chasseur n'est pas mort et ça fait plaisir à voir. Et c'est même en ce moment avec Bax, on se régale à tester un bus tracker Umbra avec le Ninja Bike et le Torse Umbra avec l'Ouroboros ou une Vector, c'est de la folie pure. Comme ça découpe et comment tu arrives à générer quand tu es dans le dur. Bah ouais, tu m'étonnes.
Il faudra me faire passer mon petit David et mon petit Bax, ce stuff. N'hésitez pas. Squall qui nous dit la station portable, donc honnêtement, hein, que j'avais fait sur la vidéo, je pense que c'est foutu de nous. La station portable, c'est une bonne chose. Perso, ça m'avait saoulé de devoir me téléporter à la base d'opération toutes les Ah, demi-heures ça pour m'a la dégoûté, je bibliothèque sais et pour les pas. autres maîtrises. Tu as tout dit, mon ami, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et honnêtement, le système de tape sur nous comme ça, franchement, c'est une très grande avancée, ça c'est sûr. Du coup, on a aussi Firdosh Ginouvraï ou Ginouroui, désolé si je le dis mal. Salut à Jean-Bin, très inspirant ce build, peu conventionnel, merci à toi pour ton travail sur le striker avec le capacitor. Ensuite, nous avons Eureka qui nous dit donc sur le lancement de la saison incompréhensible, mais à voir, franchement pas grand-chose. Il y a un PTS, des news, tu as été enfermé dans des chiottes, point d'interrogation. Quand on annonce une Twingo, il ne faut pas faire genre que tu n'as pas reçu ta Ferrari. Donc du coup, ça j'ai laissé mes modérateurs gérer. Je ne veux pas partir avec ce genre de propos. Du coup, Bax il nous dit donc sur la saison. Ouais, donc ça c'est une réponse aussi aux gens. Donc voilà, il fait son boulot, Bax, merci. Alors qu'il nous a dit bravo au couteau, voilà pour le gagnant, hein, du coup, de la cache exotique. GG à lui, à mercredi en live, qui nous dit Valérian. Et oui, au couteau, tu n'auras pas le choix mercredi, c'est incursion. Donc tu seras obligatoirement avec moi, Bax et Gauthier. David qui nous dit, donc sur le capacitor, salut mon Vincent, ce staff a l'air vraiment incroyable, même si je trouve le même étau toujours aussi compliqué à jouer. C'est clair que c'est vraiment une pièce méta, mais je trouve son talent à double tranchant. Devoir se découvrir pour aller chercher de la protection bonus, c'est du masochisme pour moi. D'ailleurs, on peut voir que c'est une tannée pour toi de garder l'intimidation. Et c'est vraiment dommage, je suis tout à fait d'accord. Sinon, cette nouveauté qui va nous permettre de reconfigurer les exos avec le troisième attribut qui nous paraîtra le mieux, ça a été clairement la bonne idée de cette saison, exactement. Et j'espère que ça va nous permettre de rejouer avec certains exos stylés qui avaient des attributs pas terribles. Tout à fait d'accord, mon David. Alors, Loutube, mon ami, qui me donne des photos, et je suis très, très, très content, honnêtement, je t'en remercie du fond du cœur. Et toutes les miniatures que j'ai mises, c'est grâce à lui. Et voilà, je ne sais pas comment je vais pouvoir lui rendre l'appareil un jour, mais pour l'instant, je ne sais pas comment, mais je le ferai, et honnêtement, voilà. Merci à toi, mon ami. Et donc, du coup, il nous a dit, salut, merci pour les commentaires, merci Bax aussi, donc c'est normal, c'est normal. Hop, ensuite. Bot qui nous dit, il aurait fallu trois vidéos pour enfin avoir un gagnant. GG à lui. Tu as tout dit, mon ami. Donc du coup, Capocalypso de son Grand Turismo. Donc il y a quoi? Il y a 1 heure là. Division, c'est mieux. Grand Turismo, c'est toujours pareil depuis le premier. Il n'y a pas de nouveau. Oui, je suis d'accord, mais en fait, je voulais faire une petite 1 heure, une petite heure de dédicace. Je l'ai fait pour mes raisons. Et en fait, il fallait que je le fasse pour une personne qui est dans le dur en ce moment. Voilà. Donc du coup, j'essaie d'aller au plus vite. On a 8 minutes. Donc du coup, c'est pas mal. J'ai reçu des messages de damnés là. Alors là, c'est quoi? Ou c'est Seb qui m'a invité au moins 7 fois. Désolé, je ne l'ai pas vu. Donc je vais mettre sur ne pas déranger. Voilà. Désolé mon ami, mais je suis en pleine vidéo. Donc du coup, on va retester ça. Rappelez-vous sur le stab de Samy. On avait mis donc 2,5.11 qui nous donnait forcément 20% de réparation subie et 30% de santé, avec un RK logique pour avoir les 20% en plus un mode, donc on est autour de 60% à peu près, avec le Sokolov avec oblitération, plus les genouillards, Grupo Sombra, hein. Bien sûr le Roboros, et puis le tueur d'assaut, donc le tueur de roi, pardon, avec le fusil d'assaut. Donc je me suis dit, je vais le retoucher un petit peu, et en fait, je l'ai mis comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Donc j'ai mis, alors certes, oui, on perdra un peu de dégâts crit, mais bon, c'est pas grave. On est là, en fait, pour jouer un peu de contrôle et pouvoir essayer de s'amuser avec 1,5 million d'armure et puis 3 tiers de compétences. Donc j'ai mis 3 bellstones avec 1% de régène, 10% de protection pour élimination. Merci le mob. Et puis 40% de réparation subie. Donc ce qui fait que de base, on en gagnait. On était à 20, 40, 60. On en gagne 20 de plus. En sachant que moi, j'ai rajouté un mode de 60. Que je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc, on en gagne 20 de plus.
Et donc, du coup, moi, j'ai rajouté un mode de réparation subie, deux modes de réparation subie à 19,8 et 20,0, voilà, qui est au max. Encore une fois, une petite dédicace à Omax. Comme d'hab, hein, selon tous mes vidéos, il y a toujours une petite dédicace à Omax. Et donc, du coup, donc en stade, ben, les statistiques, regardez les amis, donc 62 probas, 127 de coups critiques. Bon, c'est vrai que c'était très peu, mais bon, on va dire que c'est un stuff où on peut jouer tranquille. Ce que nous, on va se fixer le plus, c'est ici. Voilà. On a protection pour élimination 152 000, ce qui va être pas mal. Honnêtement, rien à dire. On pourra même lui dire que c'est un stuff quasiment vampire. Voilà. 15% de régénération, 15 000. Pardon, de régénération de protection. Santé, on s'en fout. Santé pour élimination, bon, on n'a pas. Régénération de santé, on a 1,8. Et regardez la réparation subie, je suis quasiment à 100% de trucs. Donc honnêtement, on va vraiment voir si la réparation subie fait vraiment quelque chose ou non. Voilà. Ensuite, j'ai voulu changer d'arme pour pas prendre de nommée. Je me suis dit, je vais prendre la Fal, voilà, avec le talent ligne plate. Pourquoi? Parce que je joue très peu ligne plate, et donc du coup, au cas où, avec le Ouroboros, si on n'a plus de balles, et ben on prendra ça. Chose qui est, honnêtement, je pense, une très bonne arme. Donc les statistiques, donc 47-122, c'est pas mal non plus. Donc j'ai pris une tourelle et un drone soin. Voilà, on va bien voir ce que ça donne. Mais 99,8% les amis de réparation subie. Je crois que je vais me mettre clairement devant un point de contrôle. Et puis je vais essayer de me faire allumer au grand max. Et puis on verra bien. Donc du coup, ce qu'on va faire, les amis, c'est que on va aller faire toute cette zone là ici parce qu'il me faut du composant de châssis. Donc on va aller faire le refuge. Allez, hop, on a 20 minutes à passer ensemble. Allez, j'ai hâte de voir quand même. C'est quasiment 100% de réparation subie. J'attends de voir. Hein. On va bien voir. Avec 3 tiers de compétences, en plus, je pense que ça peut être quand même faramineux. Et voilà, après. Non, messieurs, dames! Non, en route du... revient du blocus, mais non! Ils me font toujours ça! C'est de l'autre côté! Pourquoi ils s'en vont là-bas? Alors, des fois, je les suis parce que je me dis, mais qu'est-ce qui branle? En fait, c'est l'autre sens. Ils se plantent. Voilà, ils se plantent. Bon, c'est pas grave, nous, on va pas courir après, hein. Mais c'est vrai que j'aime bien quand ils sont là, voilà, j'aime bien quand il y a un peu de compagnie. Allez, on va aller faire ça. Oh, le petit toutou. Allez, donc du coup, on va mettre. Il tire, vous avez vu, hein, il tire sur les animaux, c'est un truc de ouf quand même, hein. Aucun respect, quoi. Bon, bien sûr, j'ai laissé le Sokolov. Non, 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 non. Oh, non, non. J'ai laissé le Sokolov avec un petit, avec oblitération. Alors, regardez. On est bien d'accord que. Ok. Honnêtement, j'ai pas l'impression que la réparation subie soit quand même très efficace. Hein. On est bien d'accord. Alors on va mettre la tourelle ici. En haut, hop. On va les mettre ça en route. Après, oui, j'avais pris très peu de pastilles. Oui, c'est vrai. Mais bon, il faudra vraiment tester ce que ça donne du 100%. On a 1,5 million d'armure. On va dire honnêtement, c'est pas mal. Allez, on met ça en route. On laisse venir. Civilians in danger. System breach initiated. On laisse venir le pompe, hein. Il repart. Il a eu peur. Système breach
Bon, on a 3 tiers, donc la tourelle. Et on pourrait même le jouer avec le mec animal. Hein. Attends, est-ce que je l'ai là? Oui, je l'ai. Allez, on va faire plaisir à Mamba. Hop. Voilà, on a 4 chairs. Oh, le rochat, il m'a complètement. Bon, là, ça vient de partout. Donc, on va laisser la tourelle. Hop. Vous avez vu que je récupère pas de pastilles, bon bah c'est vrai que. La tourelle ne tire pas. En fait le mob il est en train de se. Le mob est en train de se. S'en prendre à ma tourelle, mais comme j'ai mis mon drone dessus. Allez, hop. On récupère tout ça. On rappelle le drone. Bon, là, avec la surcharge... logiquement, voilà. Donc on se soigne plus vite, ça sert à rien de se planquer toi. Putain. Hop. Allez, hop, on va les ramasser tout ça. C'est vrai que j'ai pas l'impression quand même que ça fasse grand chose. Hein. On va essayer de prendre les dégâts vraiment conséquents, on va bien voir. À un moment donné j'ai flanché hein, c'est sûr hein. Voilà c'est sûr hein. Ouais je suis pas convaincu hein, les amis je vous le dis hein. Du 100% je suis pas convaincu hein. Je vous le dis tout de suite hein. Le pompe justement avec la mécanique animale. Hop, on va récupérer un tiers. Allez, hop, on va avec lui. On va avec lui. On va prendre. Hop. Moi, je vous le dis, je suis pas convaincu. Hein. Je ne suis pas convaincu du tout par la réparation subie. Hein. Ah, clairement pas. Alors là, je ne sais plus quoi dire. Franchement, bon, certes, ça résiste, je suis d'accord, mais je sais pas. Peut-être l'essayer avec le piège, peut-être, non? On va essayer avec le piège, on verra bien. De hein, toute façon, on verra bien. Allez, on va aller faire le point de contrôle là-bas. Hop. Pour clore cette vidéo. Mais bon, je suis pas convaincu. À vous de me dire, hein, vous me direz en commentaire, mais... Civilians in danger.
qu'on est bien d'accord, hein. On est bien d'accord que la réparation me subit et augmente l'efficacité des réparations effectuées par les compétences. Écoutez les amis, j'en sais rien, je suis perplexe. À vous de me dire, à vous de me dire, voilà, après, je sais pas. On verra bien, on le testera avec le soin, peut-être avec la sticky soin, possible. Mais je sais pas, j'ai un doute. À ce rythme-là, autant jouer tanké, hein, je sais pas moi. Vous me direz en commentaire, vous me direz en commentaire. Mais c'est vrai que là, ça me laisse un peu. Je sais pas. Allez, on va aller faire bouger un peu la fourmilière. On va attendre un petit peu. Reinforcements incoming. Quoi, il y a une reconnaissance aérienne? Wow. Agent requesting backup. Vous voyez, ils sont tous là-bas. Hop. On va attendre un petit peu, nous on attend. Allez. Donc là, en sachant ça, on va regarder combien on a de. Combien on a de. On a 5 pièges, ok. Donc si je fais ça. Ok. Bon, bah on verra bien après, hein. C'est vrai que ça fait pas beaucoup quand même, 5 pièges. Mais bon, on le testera quand même. Pas que les alliés se prennent le truc avec le. Ah si, ils vont tomber en pleine dedans. Voilà, ils arrivent, regardez le yen qui arrive là sur moi. Regardez bien la fourmilière. Regardez bien. Attention 3, 2, 1. Alors regardez l'autre avec sa tour. Mais qu'est-ce qui. Ça y est, ils m'ont vu, bah ouais, ils m'ont vu. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va. C'est pas grave. Comme ça, on va tester un petit peu le piège. Ok. La mec animal juste pour voir. Ok, si elle monte là-bas, ça m'arrange. Voilà, on va la laisser, on va la laisser faire. Hein. Ils font leur cinéma. Hop. Allez, nous on monte aussi, on va monter, on va aller avec eux, on va leur dire bonjour. Hop. Ok, on va mettre la tourelle ici. Hop. Quand je vous dis que la JTF ils sont forts quand même. Hein. Voilà, donc ma tour elle fait le job. Hein, il y a du monde en haut. Après si on n'a plus de munitions, bah on prend la mec animale. Hein. Ok, il y a une tourelle ici. Ok. Il y en a un qui est parti là-bas. Ok, ah ouais, c'est lui. Viens ici, petit. Hop. Ah, c'est vrai que ce point de contrôle là, il est chiant. Hein, parce qu'il faut toujours courir à droite à gauche.
Il y a un médecin? Ok. Au toi ma grosse. Alors. Je suis pas convaincu, hein, je vous le dis. Allez, ça va sortir ici. Je pense qu'on va attendre un petit peu. On va mettre la tourelle là-bas. Hop. On va essayer de prendre la sticky soin si on peut. On va essayer de prendre un peu la mécanique animale. On a tout notre temps. On va dire que la réparation... J'ai l'impression que la réparation subie avec le... Avec la sticky, hein, c'est... C'est beaucoup plus efficace, j'ai l'impression. Hein. Bon, elle a une grande bouche, elle. Hop. Vous avez vu? J'ai l'impression, hein. J'ai l'impression quand même que la réparation subie avec la sticky, c'est beaucoup mieux. Allez, on va finir ça, tout ça là-bas. En plus, je crois qu'en plus, il doit avoir un rusher en haut, je crois. Mais vous avez... Non, mais c'est une blague! Là, t'allais partir courir là-bas, tout au bout. Regardez, regardez! Regardez ça! C'est un truc de malade quand même, mais putain! Vas-y, va crever, toi! Non, mais là, elle a complètement quitté son poste pour aller réanimer là-bas, quoi! Non, mais n'importe quoi! Ah, mais c'est vraiment des cancers, hein! Ah, c'est vrai qu'il est vraiment chiant ce point de contrôle, franchement! Ça ressort de l'autre côté. Oh, oh. Là, s'il y a un médecin dans mon dos, là c'est fini. Hein. Allez, besace. Ça ressort derrière. Bon bah du coup je vais mettre la tourelle là-bas. Hop. Non c'est derrière. Ouais mais Vincent, mais t'es vraiment bon à rien aujourd'hui. Voilà, on leur met confusion. Eh oui, médecin, médecin. Donc à mon avis, ça a relevé derrière. Ben oui. Oh là là. Allez, on va aller faire là-bas. On le colle. Ah, tu la prends ta grenade. Allez, on met du soin par terre. Hop là, on a bien pris tarif, ok. Hop, terminé. Bon, moi je vous le dis, hein. 100% de réparation subie, j'ai un doute quand même. Oh, regardez ça. Regardez ça. Oh.
Au soleil. Nanana, au soleil. Hop, je vais peut-être rien dire parce qu'on va encore me faire payer des droits de musique. Hop. Donc du coup, voilà les amis, bah, vous me direz en commentaire. Honnêtement, moi je suis pas persuadé. Voilà, voilà. Il y a un truc chelou à vous de me dire, mais honnêtement, voilà. Je ne sais pas. Voilà. Allez, on arrive à 31 minutes, c'est parfait. Donc j'attends vos commentaires. Dites-moi, et puis on va dire que c'est le stuff de Samy inversion 0.02. Voilà. Bisous les amis, à demain.